Bah, bonjour à tous. Merci à la dizaine de personnes d'être déjà là. Déjà, première question. Enfin, bonjour Franck. Salut Tony. Et si vous pouvez mettre dans le chat d'où vous venez pour juste savoir. Voilà. Je vois qu'il y a un bonjour de Digne-les-Bains. Voilà. Et aujourd'hui, on va répondre à vos questions. Donc, on a 6 ou 7 déjà à répondre. Et donc, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions en live. Donc, première question de Manuel. Donc, c'est les fourmis, sont-elles utiles au potager ? Point d'interrogation. Personnellement, il y a une immense fourmilière dans la terre de mon jardin, un cercle de 3 mètres de diamètre sur terre argileuse, et l'herbe ne pousse plus à cet endroit. Comment éloigner les fourmis définitivement ? Alors là, en gros, elles peuvent, en général, en fait, elles vont nidifier quand il y a une souche, quand il y a quelque chose qui leur permet de pouvoir mettre leurs œufs à l'abri quand il y a de la pluie. Faut voir en gros c'est quoi ton type de sol, Manuel. Est-ce qu'il y a une souche? Est-ce qu'il y a quelque chose? S'il y a une souche, tu vas avoir du mal à les déloger. S'il n'y a pas de souche, ce que tu peux faire, c'est faire ça plusieurs fois mais c'est passer un coup de grelinette ou de fourche bêche et ensuite t'arroses derrière, tu fais tout effondrer en fait, de sorte de les asphyxier. Maintenant, faut que tu te poses la question, est-ce qu'elle te gêne vraiment? Enfin, si ton jardin potager est tout petit, est-ce que tu as vraiment besoin de cette place? Parce qu'elles ont leur rôle, elles ont leur utilité dans l'écosystème, hein. Elles régulent plein de trucs, dont les chenilles défoliatrices dans les arbres, par exemple. Enfin, surtout dans les pruniers et dans les cerisiers. Voilà, je sais pas, enfin, faudrait que je sache quel est ton type de sol, pour pouvoir te répondre plus précisément. Si c'est un sol argileux, si c'est un sol un peu lourd, fais la méthode. C'est une terre argileuse. Une terre argileuse, si tu fais ça, normalement, tu leur fais ça 2-3 fois et elles vont comprendre qu'il faut qu'elles déménagent. Elles reviendront pas au même endroit, quoi. Par contre, il y a des chances qu'elles aillent à un autre endroit dans le jardin, quoi. Bah, il me semble, parce que c'est quelqu'un que je connais, qui avait, où il y aura où il y avait les fourmilières, il n'y avait plus du tout d'herbe qui pousse, et même sur les végétaux, enfin sur son potager, là où elles faisaient leur petit tas, ça ne poussait plus trop, quoi. Mmh. Ok. Prochaine question. Que pensez-vous de l'utilisation des baissières dans un verger en pente pour se préparer aux sécheresses ? Alors là encore, ça dépend de ton type de sol. C'est qui pose la question, du coup, que j'appelle par son prénom ? C'est Dalmé. C'est ? Dalmé. Dalmé ? Dalmé ? Dalmé. Dalmé. En gros, faut que tu vois, c'est quoi ton type de sol ? Si c'est un sol argile lourd, oui, tu te poses une très très bonne question. Faut savoir que 99 fois sur 100, les baissières servent pas à grand chose. Entre les sols qui sont drainants ou elles servent très drainants ou elles servent strictement à rien. Si on fait des escaliers sur la dune du Pila, la pluie, quand elle tombe dedans, elle continuera toujours de tomber tout droit à travers le sable. Donc en fait, c'est terrasser les sols qui sont vraiment caillouteux et sableux, qui sont très drainants, ça changera pas grand chose. Et après, dans les sols argileux, tu peux carrément faire des éboulements de terrain et effectivement saturer le sol en eau en hiver. Donc, moi, je me souviens quand je m'étais formé chez Sepolzer en Autriche, lui, il disait que les baissières, il déconseillait de faire des baissières. Et d'ailleurs, c'est Darren Dougherty aussi qui donne un retour d'expérience de plus de une trentaine d'années de voir des baissières se faire et qui servent à rien. Donc, ce que disait Sepolzer, c'est il faut faire des terrasses qui vont avoir une certaine inclinaison, qui permettent à l'eau de s'évacuer, donc qui permettent une certaine rétention d'eau, mais en même temps l'évacuation de l'eau. Et donc, du coup, ça peut être bien, si tu fais ces terrasses, d'en profiter pour faire des bassins aux endroits. Mais bon, là, je ne vais pas te faire un design en live, ça va être un peu compliqué.
puis en plus, c'est mon métier, c'est pour ça qu'on paye. Donc, mais donc, intéresse-toi aux travaux de Sepp Holzer. Je crois qu'il en parle dans son bouquin. Et donc, ouais, si tu fais des terrasses, donne-leur une inclinaison, quoi. Ok. Donc, pour résumer, tu n'es pas un pro des baissières et ça dépend du terrain et approche à creuser. De quoi ? Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Approche à creuser en fonction du terrain et voilà, tu ne peux pas avoir une réponse générique, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment voir le type de sol. Il y a quelques cas de rares cas de figure où les baissières, ça sert vraiment à quelque chose. Mais la majorité du temps, non. Donc, une autre question de Manuel. Puis-je pailler le pied de mes haies avec des aiguilles de pin ? Et existe-t-il un risque d'acidifier trop le sol et tuer mes haies ? Alors, je t'invite à regarder le film que j'ai fait en 2010 sur Philippe Forer. Tu tapes sur Google, enfin pas Google, sur Lilo ou Ecosia. Tu tapes le jardin extraordinaire de Philippe Forer. Où il répond clairement à ta question et tu vas voir que lui, il met 100% de pin et de sapin. Et ce qui vient contredire tous les racontars qu'il y a sur ce sujet, où il dit clairement que, quand je parle d'excès d'azote, il dit que c'est un fantasme agronomique. En gros, dans son jardin, il change complètement les règles de ce qu'on voit en agronomie. En gros, il prouve que Claude Bourguignon se trompe quand il affirme qu'il ne faut surtout pas enterrer du bois dans le sol, que ça se minéralise et que ça ne sert à rien du tout. Lui, il te sort des patates de 500 grammes dans des aiguilles de pin et de sapin, recouverts avec des troncs de pin et de sapin, voire même de thuya. Donc, moi, en tout cas, j'ai vu des lieux dans lesquels on pouvait faire descendre un petit peu le pH du sol pour pouvoir cultiver des myrtilles en sol calcaire. Donc, effectivement, ça peut avoir un effet sur le pH. Maintenant, ce que j'ai observé, c'est que les plantes, elles étaient très, très souples et qu'entre un pH de 5,5 et un pH de 6,5, sachant que 6,5, c'est le top, à 5,5, j'arrivais à faire pousser quasiment tous les légumes, que c'était plus une question de vie du sol, d'acide humique, de bactéries, de champignons. Et qu'en gros, l'acidité du sol, on s'en fout un peu. L'important, c'est est-ce que tes plantes sont en bonne santé. Donc non, je dirais que tu risques vraiment pas grand-chose. Ce que j'ai déjà fait de très nombreuses fois, de mettre du broya, par exemple, de laurier palme, où dedans, il y a de la coumarine, et donc l'arsenic, c'est du cyanure, je crois. Et c'est censé être très acidifiant. Enfin, on te dit, il faut surtout pas mettre ça dans le jardin. Et moi, j'ai déjà fait des composts quasiment que de ça. Et au bout de 5-6 mois, c'est du terreau noir dans lequel tu peux faire pousser des carottes et n'importe quoi. Donc pas de souci, mets tes broyades résineux au pied de tes haies. Maintenant, c'est juste que si tu mets ça au pied d'une plante calcicole, donc je sais pas moi, du thym par exemple, ah, il va pas aimer. Si tu lui acidifies les pieds à ton thym, il va pas aimer. Il préférait que tu lui mettes des coquilles d'huîtres. Donc c'est surtout ça, mais après, ça dépend... Qu'est-ce que c'est ta haie ? Est-ce que c'est une haie ornementale ? Est-ce que c'est des arbres fruitiers ? Mais a priori, je te dirais, il n'y a pas de souci, mets ton broya, mets tes épines de sapin, ça ne fera pas grand-chose. Enfin, en tout cas, ça n'aura pas des dommages... Si délétères que ça, comme par rapport à... Ok, alors prochaine question de Terence. Bonjour, j'ai le projet d'un jardin forêt sur une terre agricole de 2000 m² qui n'est pas cultivée depuis 2 ans. Le terrain est recouvert de rumex à feuilles obtuses et bergerettes du Canada, à peu près 50-50. Ma question c'est, est-ce que je laisse tel quel rumex et bergerettes améliorent le sol et finiront par disparaître? Ou alors... Je passe un ultime coup de tracteur avec semis d'engrais vert, sous-soleuse, car je soupçonne une semelle de labour. Alors, vaste question. Donc déjà, le sol, il n'est pas cultivé depuis 2 ans, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme culture avant ? Parce que si ça a été bourré de Roundup et de pesticides, ce serait peut-être bien que tu fasses une dépollution des métaux lourds et que tu dépollues ton sol. Parce qu'autrement, ton jardin forêt, il va te faire des fruits toxiques. Surtout les oléagineux, en fait, surtout les noyers, les noisetiers,
qui vont récupérer toutes les merdes et tu vas les manger tous les ans. Donc ça, c'est une... Et tu pourras trouver des infos sur la dépollution des sols dans mon bouquin « Permaculture en climat tempéré », justement, enfin, dans la section sur le sol, les plantes pour dépolluer. Donc ça, c'est la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que tu as eu comme culture avant. Maintenant, là, avec quasiment 100% de vergerette et de rumex, alors je suis étonné que ce soit un rumex obtus, mais enfin, j'aurais été plus... Enfin, ça aurait été plus logique que ce soit du crispus ou du pulcher. Mais bon, ça peut être de l'obtus. Donc ça, c'est deux plantes bio-indicatrices d'asphyxie presque totale du sol par hydromorphisme. Donc ça veut dire que ton sol, il est fragile à la battance des pluies et qu'il s'asphyxie complètement en hiver. Donc effectivement, oui, ces plantes, c'est des plantes bio-indicatrices et des pharmaciennes pour ton sol parce qu'avec leurs racines pivots, elles vont permettre de s'enfoncer dans la semelle en fait et en se décomposant, en mourant en fait, les vers de terre et les autres plantes qui vont pousser vont suivre la racine pivot et petit à petit ça va traiter ton sol. Mais enfin, si tu attends qu'elles fassent le boulot, tu en as pour au moins 40 ou 50 ans, le temps que la roncière s'installe et que ça devienne une friche et que ton sol se régénère par la forêt. Mais si tu attends que ce soit le rumex et le machin, ça va, tu risques d'attendre longtemps. Alors, donc moi, ce que j'aurais tendance à te conseiller, c'est améliore ton sol à l'endroit où tu planteras les arbres. Va pas travailler le sol sur 2 hectares. Hein. Mieux vaut laisser le temps au temps, en fait, et n'améliorer que les endroits où tu vas planter. Après, si tu fais un engrais vert, il va te falloir mettre un engrais vert avec des racines profondes. Donc là, vu sur quoi tu repars, moi, je te conseille de mettre de la luzerne, de la facélie, de la moutarde, des plantes comme les régras anglais, des trèfles incarnats, et surtout de mettre d'autres plantes à racines pivot, donc comme la molène, le bouillon blanc, et si possible des plantes qui soient bisannuelles, donc comme la molène, l'onagre, qui vont aider le travail des rumex. Mais cela dit, ça va mettre un certain temps, ça va être long. L'idée de la sous-soleuse, c'est pas forcément une bonne idée parce que tu vas continuer d'asphyxier ton sol avec le tracteur. Et surtout, ta sous-soleuse n'ira pas en dessous de la semelle parce que les agriculteurs passent des sous-soleuses, passent des charrues. La charrue, il a passé à 30-40. Donc, ta sous-soleuse, elle n'ira pas en dessous de 30-40. Donc, du coup, tu changeras pas grand-chose au niveau de la semelle. La seule chose qui va vraiment percer la semelle, ce sera des racines. Alors, il faudrait que tu me dises si ton sol, c'est un sol argileux lourd. Parce qu'en sol argileux lourd, bah, tu vas vraiment avoir... ça va mettre du temps avant qu'il se régénère. Ce sera peut-être il sera peut-être, la semelle sera peut-être toujours intacte alors que tu seras grand-père. on peut en quelques décennies flinguer un sol et faire une semelle. Par contre, à part la forêt, il n'y a rien qui cassera cette semelle. Et donc, ça peut mettre des fois quasiment 50 ou 60 ans avant que la semelle soit de nouveau perforée par des racines d'arbres. Donc, ouais, il y a des plantes très performantes hein, pour percer les semelles, comme la consoude. Mais le problème, c'est qu'à la fin, tu n'auras que de la consoude. Donc, je te déconseille de mettre de la consoude partout. Ou alors, ce que tu pourrais faire, c'est mettre de la consoude partout pendant plusieurs années. Et puis après, couvre les parcelles que tu vas planter au fur et à mesure avec des bâches et laisse la bâche pendant genre 2 ans. Et puis, plante à travers la bâche. Et petit à petit, ça va faire crever la consoude. Elle ne passera pas à travers la bâche. Mais enfin, bon, c'est quand même un gros taf. Et donc, en tout cas, si tu fais un travail de ton sol, fais plutôt un travail de... si tu fais un travail à la sous-soleuse, plante des plantes à racines pivot dans les tranchées que tu auras fait à la sous-soleuse. Ouais, ça les aidera. Voilà, ça aidera à faire en sorte au moins que ta tranchée. Parce que le problème, c'est qu'une fois que tu auras fait ta tranchée, dès qu'il va pleuvoir, l'eau va s'infiltrer dedans et ça va te refaire une semelle justement à l'endroit de ta tranchée. Parce que toutes les particules fines ont tendance à descendre. Donc, on croit qu'on a tendance à bien faire en travaillant le sol, mais
Non, ce qu'il faut, c'est qu'il soit couvert par les plantes et que les plantes aillent sous-soler, mais sans que tu aies flingué la surface du sol. Donc, voilà, enfin, mets des engrais verts à racines pivot. Si tu fais un travail de ton sol, mets des engrais verts à racines pivot. Ok, merci. Une question du chat. Le marc de café se composte, mais est-il si utile? J'ai entendu que la caféine pouvait en trop grande quantité stresser les plantes. Question de Samuel. En gros, c'est la caféine, c'est quand tu en épands dessus que tu pulvérises en fait. Et logiquement, dans ton marc de café, la caféine, elle est déjà dans ton sang avant que. Et donc, une fois que c'est composté, il n'y a plus de caféine dans la caféine, elle sera complètement dézinguée par les champignons et par les bactéries. Donc, il n'y a aucun souci avec la caféine. Et après, le marc de café, bon, bah, ça fait un engrais, enfin, ça fait un compost, hein, mais c'est surtout une matière carbonée, il n'y a pas beaucoup de nutriments dedans. Mais sinon, oui, tu peux en mettre beaucoup, il n'y a pas de souci. Donc, on nous demande si on a des retours d'expérience sur l'électroculture. Écoute, je suis vraiment mitigé sur le truc. J'ai voulu en relancer cette année pour faire des tests là, avec des roches volcaniques, avec des trucs qui pourraient rendre le truc le plus flagrant. Moi, j'ai été étonné de voir des fois des résultats assez hallucinants où les patates étaient énormes et sans. Avec juste du broyat, donc a priori pas beaucoup d'azote et donc logiquement pas des grosses patates. Et puis de recommencer l'année d'après au même endroit et de pas du tout avoir les mêmes résultats. Donc voilà, mitigé. Des fois oui, des fois non. Ça dépend quand ça veut. Des discussions que j'avais eues avec Yannick Van Doorn, c'est un peu le spécialiste. Donc tu pourras aller sur son site Yannick Van Doorn, des Non, mais je vais le mettre dans le chat. Donc lui, c'est lui le spécialiste sur son site. Je ne sais pas s'il reste encore des retours d'expérience. En tout cas, les expériences sont contrastées, hein, que ce soit sur l'électroculture, la magnétoculture. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend des arbres que tu vas avoir autour. Ça dépend si tu as des lignes à haute tension. Ça dépend de ton type de sol aussi. Il y a plein, plein, plein de facteurs qui jouent. Et moi, je me souviens d'avoir fait des tests, d'avoir mis des antennes d'électroculture simplement plantées dans la pelouse, et je m'étais dit, ben là, ça va être flagrant. Si ça a un effet, ben on va voir tout de suite que la pelouse, elle repousse plus vite autour de l'antenne qu'au milieu, et ça avait brillé par son inefficacité totale, ça avait aucune différence. Donc j'ai déjà fait plein de tests comme ça, où des fois j'ai eu des résultats, mais qui n'étaient pas clair clair, et d'autres fois où j'avais pas de résultats du tout, donc mitigé sur le truc. Je sais qu'il y a un permaculteur là sur YouTube qui va interviewer tous les spécialistes de l'électroculture, là je sais plus comment il s'appelle, ouais, cherche électroculture, permaculture sur YouTube, tu devrais trouver des vidéos de ce gars là qui a été filmé tout un tas de gens qui font des tests. Maintenant, trouver des gens qui font des tests sérieux. Parce que c'est vraiment complexe de faire des tests in vivo sérieux. Moi, je comptais faire des tests cette année en pot, avec exactement le même substrat, tout pareil, le même arrosage. Et là, tu as vraiment un résultat tu as vraiment des résultats en faisant ce test sur une dizaine de pots, quoi, avec 5 avec, 5 sans. Parce que en gros, si tu fais des parcelles dans ton jardin, tu découpes des petits carrés, tu t'amuses à faire la même variété de radis et tu vas voir qu'il va y avoir des carrés où ça va mieux pousser que d'autres. Et voilà, est-ce que c'est les lignes telluriques? Est-ce que c'est parce que d'un côté tu as un campagnol qui est venu faire un trou, une galerie en dessous? Donc très souvent on arrive à des résultats, tu fais waouh, c'est flagrant, regarde, là ça a marché super bien et là pas du tout. Alors qu'en fait, le réel facteur, c'était une fourmilière, des campagnols, le fait que le sol était un peu plus tassé, ou alors que dans ton jardin, en fait, il y avait eu des remblais et qu'en fait, tous les mètres carrés, c'est des sols un peu différents. Il y a tellement de facteurs, donc c'est vraiment difficile de pouvoir tirer des conclusions. Mais sinon, de ce que disait Philippe Forer, tu doubles les récoltes. Dans les bouquins sur l'électroculture, en général, on dit qu'on les augmente à peu près d'un tiers.
tout cas dans les bouquins que j'ai sur le sujet. Alors, je vais bientôt recevoir 3 jeunes pieds de figuier. Dans le trou, dois-je y rajouter du terreau et du fumier de cheval, vendu en sac? Et l'orientation sud, point d'interrogation. Voilà encore, hein, tu me demandes une posologie sans m'avoir donné des infos qui me permettraient de pouvoir te répondre précisément. Si ton sol, il est riche, il est fertile et que machin, mets un mulch en surface. Maintenant, à chaque fois que tu vas enfouir des matières végétales dans le sous-sol, faut que tu comprennes que, en gros, ces matières, dans 4 ans, elles ont complètement disparu. Elles auront fondu. Donc, en fait, tu auras un sol en creux au pied de ton arbre ou des trous. Et donc, y a de grandes chances que ça attire plus les campagnols aussi. Regarde si ton sol est fertile et qu'il est plus ou moins équilibré, enfin qu'il ait une texture, une structure plus ou moins équilibrée et que l'herbe pousse bien, l'herbe pousse vite dessus. Fais un trou, plante ton arbre, mulch par-dessus et ça suffira très bien. Et l'orientation sud ou pas? Et l'orientation? Comment ça, l'orientation? Des figuiers, je pense. Si tu peux préciser dans le chat, mais je pense que c'est plutôt si tu les mets au sud ou au nord, j'imagine. De ton jardin, bah oui, ouais. Mets-les toujours le plus au sud et en coteau, fais en sorte qu'ils aient pas les pieds dans l'eau. Fais en sorte qu'ils aient le plus de soleil et pas les pieds dans l'eau. Bon, ils n'en mourraient pas d'avoir les pieds dans l'eau, mais par contre, tu auras des figues qui seront pleines de flotte. Question de Samuel. Et si tu as un sol très lourd, greline beaucoup, aère ton sol, mulche beaucoup parce que ça supporte pas l'asphyxie racinaire, les figuiers. Et juste, est-ce que tu peux préciser ce que c'est un mulch? Parce que tu as employé ce terme, mais peut-être. Un mulch, c'est une moquette de couverture végétale qui peut être du broyat, qui peut être des feuilles mortes, qui peut être du carton. Mais là, je conseillerais plutôt pour la plantation de mettre du broyat, des feuilles mortes. Et si tu as à rajouter du terreau, du fumier, mets ça plutôt en surface, fais en sorte que ce soit les vers de terre qui l'enfouissent plutôt que toi. Ok. Comment fais-tu ton compost, Samuel? Comment je fais mon compost? Je mélange les toilettes sèches avec les déchets de légumes de la cuisine en gros, et ça fait un tas et je le mets tous les 3 ans, enfin j'attends 3 ans avant de les prendre dans le jardin. Ok. Donc de Charme Fou Mariage, je viens de débroussailler mon terrain envahi de pruneliers et autres très serrés. Quoi faire pour qu'il soit cultivé et dans combien de temps? Terre argileuse, jamais cultivée. Alors déjà, broie tout et laisse tout sur place si c'est une terre argileuse. Ensuite, essaye de faire un engrais vert étouffant, donc des plantes qui soient hautes, genre facélie, moutarde, mélilo, en plus ce sera bien pour les abeilles, pour les insectes. Fais en sorte d'étouffer les arbres, de faire en sorte de les empêcher de repartir. Donc broie tout à ras et fais un engrais vert juste derrière en espérant qu'ils ne repartent pas trop. Autrement, c'est sème du trèfle, des graminées, et ensuite, une fois que tu as tout passé au gyrobroyeur, repasse le gyrobroyeur, 3-4 fois dans la saison, et fais en sorte. Le prunelier, il supportera pas que tu le tondes, que tu lui tondes la tronche régulièrement, que c'est comme les ronces, en fait, ça disparaît en 2-3 ans après de la tonte. Donc, repars sur un stade prairie, en gros. Passe du stade préforestier au stade prairie et puis ensuite plante tes arbres. Ou je ne sais pas si tu veux faire du jardin potager. Ou... Ok. Une question de Laetitia qui demande, pour une plantation d'arbres l'année prochaine, qu'est-ce que tu conseilles de faire dès maintenant? Pailler, engrais vert ou autre chose? Ouais, pailler, ça peut être bien, ouais. Prépare un peu ton sol. Ouais, avec de la matière organique que tu as sous le coude. Mais ce que je comprends pas, c'est que tu vas planter l'année prochaine, l'automne prochain, tu veux dire?
Si Laetitia, tu peux répondre à cette interrogation-là, et on reprendra ta question. Donc, Violette, c'est une zone. J'ai une zone. J'arrive pas à parler aujourd'hui. J'ai une zone du jardin au nord de la maison, plutôt à l'ombre l'hiver, mais ensoleillée l'été, le soleil étant plus haut. Est-ce adapté pour y planter des arbres fruitiers? Alors, En gros, des arbres à l'ombre l'hiver, mais ensoleillés l'été. ouais, bah ça, enfin c'est, mais juste pas des arbres qui ont besoin d'une grande quantité de soleil, parce que si il y a des chances que si c'est à l'ombre en hiver, en automne aussi, ça le sera. Donc, mais plutôt des plantes qui n'ont pas besoin d'énormément d'heures de soleil. Pourquoi les prunes, les pommes, les pêches, les poires, mais des variétés précoces, et comme ça, du coup, t'as pas. T'auras pas de soucis. Donc bonjour, merci de ce que vous faites et de vos retours d'expérience. Que planter au poulailler, sachant qu'elles ont un accès à un parcours herbeux conséquent? Donc que planter au poulailler qui serait le plus bénéfique en toute saison ou en intérêt dans leur santé, production d'œufs? Alors bah ça, tu as toute la liste dans mon livre Permaculture en climat tempéré. Il y a les fourrages pour les animaux et tu as tout un truc sur les poules et les volailles. Et donc du coup, tu peux quasiment leur faire un jardin-forêt dans le poulailler avec des arbres du type mûrier, figuier, aubépine, sureau, et avec tout un tas de couvre-sol, des petits fruits. Tu peux leur mettre en gros, c'est omnivore les poules, donc tu peux leur mettre tout ce que tu mettrais pour toi, elles ont bien aimé. Là, sauf les prunes, enfin tous les fruits du type prune. Bon, les pommes, elles les bouffent, mais elles n'en ravolent pas plus que ça. Les prunes, c'est souvent trop acide, elles ne les mangent pas. Mais autrement, ouais, bah, va voir dans mon livre Permaculture en climat tempéré, je vais pas ressortir toute la liste. Yes. Et donc là, ouais, quand tu parles de jardin, forêt et autres, là, je vais vous partager un lien d'un article qu'on vient d'écrire qui est pour ceux qui. Sur c'est quoi la synergie végétale, qui résume succinctement un peu les différents critères que. Enfin, que tu prends en compte pour agencer les végétaux entre eux. Et juste si tu peux me rappeler succinctement les différents critères pour créer un jardin-forêt ou autre. C'est toi qui me poses la question là, Ouais. les différents critères. Alors, mais là, ta question, tu ne te rends pas compte de la vastitude de ta question en fait. On pourrait en faire une vidéo complète. Ok. Mais Ouais. c'est juste pour rappeler les critères morphologiques, enfin, rapidement. Ah oui, des comptes, les cinq partenariats, les différents partenariats. Ouais. Ouais, donc, il faut que tu fasses attention à la morphologie des plantes, il faut que tu fasses attention à la complémentarité que les plantes vont avoir entre elles au niveau des nutriments, hein, entre les plantes qui ont racines pivot qui vont ressortir les éléments des profondeurs, les plantes fixatrices d'azote, tout ce qui va pouvoir attirer les oiseaux et les animaux qui vont mettre leur déjection. Donc ça, c'est les partenariats alimentaires. Ensuite, il y a les partenariats sociologiques, chimiques. Donc, c'est faire attention en fait à l'allélopathie des plantes. Elles vont développer certaines substances qui peuvent être plus ou moins favorables ou défavorables aux voisines. Ensuite, il faut que tu fasses attention à la sociologie. Donc, c'est tout ce qui est régulation écosystémique. Comment faire en sorte d'attirer les auxiliaires dans le jardin pour que tu aies à la fois une bonne pollinisation, mais surtout une bonne régulation des parasites. Si on prend comme exemple le Carpocaps de la pomme, il y a plus d'une cinquantaine de bestioles, des chauves-souris en passant par les perce-oreilles, les ichneumons et les mésanges qui vont bouffer les Carpocaps. Et donc, c'est comment créer des niches écologiques favorables dans le jardin pour que ça s'autorégule. Et ensuite, en dernier, tu as les partenariats sexuels. C'est faire en sorte de ne pas mettre un kiwi tout seul. Vu que c'est mâle et femelle, de faire attention quand t'en plantes deux, d'être sûr que c'est un mâle et une femelle.
Alors ça, c'est très fréquent en jardinerie qu'on ne vende de mâles ou de femelles parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils vendent. Et aux particuliers, ils s'en foutent. Ils savent que il y a des fois, il y a des gens, ils mettent 10 ans avant de s'apercevoir. Enfin, moi, par exemple, mes proprios ici, ils avaient mis 2 kiwis mâles. Puis ils m'ont dit, dis donc, ça met du temps à fructifier. Bah oui, tu m'étonnes. 2 kiwis mâles ensemble, ils risquent pas de donner de faire des petits. Donc oui, il y a tous les partenariats qui vont être autour de la sexualité. Il y a des plantes qui sont dites auto-fertiles, qui vont te donner un peu de fruits si tu les mets toutes seules. Mais la majorité vont avoir besoin d'un partenaire sexuel. Et ça, tu pourras trouver des listes. Enfin, pour ceux, je sais plus qui posent la question, là, si c'est général. Mais en gros, vous pourrez trouver des listes de pollinisateurs. Enfin, pas de pollinisateurs, d'insectes pollinisateurs, hein, de partenaires sexuels, que ce soit pour les pommes, les poires, les prunes, les noisettes, les châtaignes, de savoir qui match bien avec qui, et de savoir les duos, les trios qu'il faut mettre ensemble et dont on sait que ça va bien matcher entre eux. Et donc il y a des variétés qui sont dites pollinisatrices, qui vont avoir une capacité à polliniser plein de monde. Par exemple, dans les pommes, c'était très connu que la reine des rainettes, elle avait tendance à polliniser pas mal d'autres pommiers. On met souvent des plantes d'ornement, des malus, des pommiers type Everest ou Asiatica. Mais ça, là, un gros inconvénient, c'est que ça va être un bon partenaire sexuel pour tes pommiers. Maintenant, le problème, c'est que si jamais tu fais des semis de tes pépins de pommes, ça te donnera vraiment des pommiers de merde. Ça va vraiment te donner des pommiers nains avec des toutes petites pommes. Donc, tu auras très, très peu de chances de pouvoir créer des variétés de pommes intéressantes si tu sèmes les pépins. Et donc, vu que maintenant, il n'y a que l'INRA qui crée des variétés de pommes et qui nous en font 3 ou 4 par an, imagine un petit peu quand, à l'époque de nos grands-parents, quand à chaque fois qu'on mangeait une pomme, on jetait le trognon dans la haie. À l'époque de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents, on créait des milliers, des centaines de milliers de variétés tous les ans. On faisait des vergers de pommes à cidre. Et de temps en temps, sur 100 arbres qu'on avait semés, ben, il y en avait une ou deux qui étaient vraiment des bonnes pommes à couteau. Maintenant, ça se fait plus. Et c'est pour ça que les pommiers ont tendance à dégénérer génétiquement. Si on prend la Pink Lady, par exemple, on retrouve jusqu'à 8 ou 9 fois Golden Delicious dans sa lignée. Donc, c'est comme si on la faisait copuler 7 ou 8 fois avec sa grand-mère. Du coup, faut pas s'étonner que la Pink Lady, elle a besoin de 35 traitements pour arriver à survivre aux maladies. Et donc, voilà, c'est ça l'inconvénient, en fait, de pas bien contrôler la sexualité des plantes et de pas créer nous-mêmes nos variétés locales. Et donc, si vous voulez créer des variétés locales, c'est important de bien comprendre la pollinisation de vos arbres, surtout si vous voulez des fruits tout court. Parce que j'ai vu des super designs faits par des designers où ils te mettaient une guilde de pommiers, une guilde de poiriers, une guilde de pruniers, une guilde de ceci, une guilde de cela, et puis aucun pollinisateur. Donc en fait, tu te retrouves à en avoir pour 5000 balles d'arbres et de pas avoir de fruits, quoi. Donc ouais, la pollinisation, c'est super important, et la sexualité des plantes, c'est un facteur très très important à prendre en compte, comme l'espacement d'ailleurs. Ok. Respire un peu. Donc, que peux-tu nous dire sur la cohabitation mouton et arbre fruitier ? En règle générale, elle est mauvaise parce que les moutons, ils vont avoir tendance à te coucher tes arbres. Alors, si c'est des vieux arbres, ça va. Le mouton, c'est bien, ça piétine pas trop le sol et ça va permettre de bien entretenir. Mais bon, il va falloir que tu mettes les moutons si tes arbres sont vieux. S'ils sont tout jeunes, t'as intérêt de mettre des bons grattoirs pour les moutons, parce qu'autrement, ils vont venir se gratter. Dès qu'ils ont des parasites, ils passent leur vie, ça les démange, hein, faut se mettre à leur place. Imagine-toi, si tu avais des poux et une grosse moumoute, tu passerais ton temps à te frotter partout pour essayer de te gratter. Et donc, du coup, ils vont défoncer tous tes arbres. Donc, voilà, soit faut mettre des poteaux autour des arbres, des espèces d'énormes tuteurs. Enfin, souvent, on met trois piquets comme ça. Mais malgré tout, ils arrivent souvent à coucher les arbres. Mais sinon, c'est des très bons gestionnaires de l'enherbement. Et sachant que pour les arbres fruitiers, l'enherbement, c'est pas top pour eux. En fait, la compétition avec les graminées, c'est pas top. Donc, voilà, ça fera des bonnes tondeuses. Donc, c'est sur une expérience que tu avais faite. Donc, quel retour d'expérience as-tu sur les 3 arbres que tu avais plantés dans le même trou, sur un petit espace ? Alors, c'est marrant, ça, vous verrez.
pour les rares qui disent encore, qui le disent encore, moi, on m'a toujours dit, bah, t'en as un qui va tuer les deux autres. Bon, bah, c'est marrant, je suis retourné chez ma maman le week-end dernier. Et du coup, j'ai pu constater que c'est complètement faux. 12 ans après avoir planté les trois arbres dans le même trou, bon, le prunier, en fait, je m'étais gouré. J'avais mis le prunier, j'aurais dû le mettre derrière. J'aurais dû mettre le pommier et le poirier. Mais j'ai vu des poires et des pommes sur les deux. Bon, le prunier, c'était un prunier abricot. Et elle est vachement intéressante, cette prune, parce qu'en plus, c'est un arbre qui se bouture facilement. Mais le problème, c'est qu'il fleurit hyper tôt comme les prunelliers. Et donc, c'est très fréquent qu'il se prend les gelées et qu'il ne donne pas de prune. Donc, hormis ça, résultat, top. Pas de souci à planter trois arbres dans le même trou. Maintenant, la question, c'est pourquoi tu le fais? Est-ce que tu as très peu de place? Si tu as très peu de place, ça peut avoir un intérêt. Si moi, c'est parce que je faisais des tests justement pour les gens qui ont très peu de place. Maintenant, mets pas trois arbres dans le même trou pour le plaisir, quoi. Ça n'a pas de sens. Okay. Si tu as la place, mais donne-leur l'emplacement de chacun, quoi. Donc là, Laetitia a précisé pour sa question de tout à l'heure, qui était pour une plantation d'arbres l'année prochaine, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Et donc, sur un sol très argileux, très compact, de préparer les futures zones de plantation pour faciliter le travail à l'avenir. Et elle complémente par ça. Et plantation de noyaux, si on veut planter des noyaux pépins, conseilles-tu une préparation du sol, ameublissement ou juste un trou et tu vois ce qui se passe? Ouais, bah, ameublis le sol. Hein. Plus de manière, plus tu vas faciliter le racinement de la plante, plus elle va se développer rapidement et facilement. Donc, ouais, bah, greline, AR, fais un bon mulch et fais tes semis. Et donc, du coup, quand les semis partiront, ils vont partir comme des fusées parce qu'il y aura des vers de terre, il y aura des acides humiques et puis surtout, il y aura de l'espace pour que les racines s'enfoncent sans aucune difficulté. Mais surtout, bien mulcher après avoir travaillé le sol. Faut surtout pas que ton travailler ton sol et le laisser prendre la pluie, quoi. Sinon, au contraire, ça fait, t'auras l'effet inverse, tu vas plutôt l'asphyxier qu'autre chose. Ah ouais, j'ai confirmation, j'ai fait ça cette année en préparant mon sol. C'est hyper argileux, j'ai greliné, j'ai pas eu le temps de pailler, il a plu. C'est comme si j'avais rien fait, voire c'était pire qu'avant. Ah non, c'est pas comme si t'avais rien fait. C'est grave pire. On travaille jamais un sol par temps de pluie. Des fois, le sol, il peut mettre 3 ans à s'en remettre après. Non, c'était pas par temps de pluie. C'est que j'ai greliné. J'ai pas eu le temps de pailler. Mais t'as eu le même effet que par temps de pluie, en fait. Ouais. Donc, moi, j'en discutais avec Greg, Grégory Faupin, là, qui est pépiniériste, qui est dans notre réseau pépiniériste producteur bio. Il disait, une fois, j'ai travaillé mon sol un peu trop tôt et il a plu. Et pourtant, il travaille avec un percheron, hein, c'est pas avec un tracteur. Ouais. Et il m'a dit, mon sol, il a mis 3 ans à s'en remettre, quoi. 3 ans à avoir des rumex, à avoir des vergerettes et autres plantes d'asphyxie du sol, quoi. Des chardons. Et par contre, ce qui est paradoxal, c'est que les plantes qui sont installées par rapport à d'autres endroits de mon jardin sont plus solides, entre guillemets, elles ont mieux résisté à la sécheresse. Alors, attends, les plantes. Genre, j'avais deux rangées de tomates. Il y en avait une où j'ai cassé violemment la prairie. Et celle-là où j'ai juste greliné, mais celle-là où j'ai greliné, elle est plus en forme que celle-là où j'ai passé une motobineuse. Mmh. Voilà. Ouais, je ne suis pas étonné. Donc voilà, l'effet du travail du sol par la machine, quoi. Ils sont partis plus tôt, mais produisent moins. Bonjour, quelle est ta plante pérenne préférée, que cela soit en termes de rusticité, de vigueur et d'utilisation culinaire? Alors là, je ne sais pas, c'est comme si tu me disais, c'est quoi ton chien préféré? J'aime bien les chiens, mais j'en ai pas forcément ni de préféré, ni de... Elles ont toutes des avantages, des inconvénients, certaines... Bref, ce serait difficile de te répondre, en fait. Allez, la chayotte. La chayotte, je l'aime bien parce que, un, elle est vivace. Deux, elle résiste à moins 7, moins 8.
C'est une liane qui pousse toute seule, qui va grimper jusqu'en haut des arbres si, sans que tu la tutores, sans que tu essayes de la conduire. Tu peux manger la racine qui te fait comme une betterave, tu peux manger les fruits qui vont être dans les arbres, tu peux manger les pousses comme des asperges et le feuillage comme des épinards. Donc, allez, la chayotte, c'est ma préférée. Alors, connaissez-vous la punaise diabolique? C'est la première fois que j'en ai dans le jardin cette année. On me dit qu'elle est invasive. Est-ce que tu as un avis sur le sujet? Alors, la diabolique, non. La punaise tout court. En règle générale, il y en a plein dans les jardins, des punaises, plein de sortes, plein d'espèces. C'est très très souvent que même il y a des espèces qui sont vraiment inféodées à une seule plante. Non, j'ai aucun recul sur cette punaise qui est diabolique, mais à mon avis, c'est comme tout le reste de ce qui emmerde la race humaine. Hein, c'est diabolique. Enfin, elle est diabolique pourquoi? Elle bouffe les plantes en particulier, enfin, elle bouffe des plantes en particulier. C'est quoi son effet néfaste en fait? Et après, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que tu aies plein de mouches tachinaires prédatrices des punaises. Mais alors là, te dire si c'est Leptospirosis ou une autre qui va la bouffer, j'en sais fichtrement rien. Ce qu'il faut, c'est que tu augmentes la biodiversité, d'avoir des étalements de floraison assez longs, des plantes à petites corolles, à grosses corolles, différents types de couleurs de fleurs, et puis c'est surtout un étalement de floraison long, de sorte que tu aies le maximum d'hyménoptères et de diptères et de toutes sortes de bestioles, dont certaines seront des prédatrices, comme les mouches tachinaires. Ok. Juste remarque, si Franck emploie des termes et que vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à poser la question dans le chat, parce que, ouais. Histoire de clarifier, restez pas avec des inconnus, quoi. Pareil, il y a une question qui revient sur le jardin, forêt, en présence de poules. Est-ce que tu as des conseils ou pas, enfin, des avis? Bon, les poules, ça peut être intéressant s'il n'y en a pas trop dans un verger, mais dans un jardin forêt, elles vont toutes défoncer, elles vont te niquer tout un tas de plants de couvre-sol. Enfin, ça dépend ce que tu appelles jardin forêt, en fait. Mais ouais, moi, en général, les poules, je les laisse pas se balader dans le jardin forêt, parce qu'autrement, elles défoncent tout, quoi. Elles vont défoncer toutes tes mulches, toutes les plates-bandes, elles vont tout étaler. J'ai tendance à pas les mettre. Moi, je leur fais un jardin forêt pour elles, aux poules, quoi. Mais après, moi, je m'en fous, je vais pas récolter. Enfin, je leur laisse tout ce qui va pousser pour elles, quoi. Et je vais plutôt leur créer un petit biotope pour elles, plutôt que de les mettre dans le biotope où moi je fais ma clairière à légumes et où je vais récolter mes framboises. Ouais, très souvent, on parle de régulation des poules. Ça va s'il y a un bon enherbement, en fait, si le sol il a une intégrité. Par contre, si elles arrivent à dézinguer l'herbe, les poules, bah, elles vont faire ce que toi tu as fait avec ta grelinette par temps de pluie. Là, elles vont bétonner le sol, ça va rendre tous tes arbres malades. Et donc, très souvent, on conseille ça dans les bouquins de permaculture, là, de mettre les poules pour réguler au pied des arbres. Ça dépend vraiment de ton type de sol, de la quantité de poules que tu mets. Parce que bah, si on regarde un poulailler, très souvent, le sol il est complètement nu, il est noir, il pue l'ammoniaque. Bah, ça va faire pareil dans ton verger et les arbres, ils vont pas du tout aimer. Il ne faudra pas t'étonner d'avoir du Molilia sur toutes les pommes, toutes les prunes, toutes les pêches, parce que c'est les maladies cryptogamiques, elles vont sauter sur tes arbres et les fruits surtout. Ok. Peut-on faire du marquetage aérien justement sur les pompiers, je pense que ça doit être les pommiers, cerisiers et noyers? Non. Bon, ça marchera pas, et puis tu vas te faire chier pour rien. Ok. Dans un vieux verger, quelle est l'utilité de pommiers à cidre ou poiriers à cidre si on ne fait pas de cidre? Ne vaut-il pas mieux les virer pour planter des fruits à couteau? Alors, faut voir l'état des arbres, faut voir leur âge, mais autrement, ce que tu peux faire, c'est t'en servir comme porte-greffe. Tu les recèpes, tu les coupes au pied et puis tu greffes les rejets. Ok. Ah, si tu sais ce que tu fais. Yes. Question d'une ancienne stagiaire. C'est suite à la vidéo que tu as fait sur la mûre géante.
Et je crois que c'est la framboise Imbotop, si je ne me trompe pas. C'est Imbo. Imbo top. Imbotop. Imbo top. Ok. Et non, c'est pas. Je me souviens d'avoir lu la question là. Non, c'est pas. Ça n'a rien à voir avec la Thai Berry ou la Logan Berry ou Boysenberry, D'accord. qui sont des hybrides de framboises et de mûres qui, elles, donnent deux fois, donnent une fois en fait dans la saison en juillet, alors qu'Imbotote, c'est une remontante. C'est une très grosse framboise. Elle est un poil moins parfumée que Héritage. Héritage, c'est une des meilleures en fait au niveau parfum et bon, c'est un petit calibre de framboise, mais par contre, c'est une des plus parfumées, une des plus sucrées. Donc, elle est un petit peu moins au niveau gustatif, elle est un peu moins intéressante qu'Héritage. Mais par contre, au niveau du poids, au niveau de la facilité de récolte, c'est vachement plus intéressant. Mais par contre, c'est un framboisier normal. Donc, c'est une plante rajeunante qui va monter à 1 mètre, 1 mètre 50, peut-être 2 mètres de haut. Ça n'a rien à voir avec la Thaï Berry qui, elle, fait des cannes qui vont faire jusqu'à 5 mètres et qu'on peut tresser dans les arbres comme les murs. Donc, cela dit, les deux sont intéressantes. Hein, elles vont donner à des périodes décalées et les deux ont un intérêt. Qu'est-ce qu'indique la présence de liserons et peut-on s'en débarrasser à force de l'arracher? Ah, bah, t'es pas sorti de l'auberge. Alors, ça indique. Bon, si je repense que ce que m'apprenait Gérard Ducerf dans les stages, ce qu'il dit dans son encyclopédie des plantes bio-indicatrices. Bon, déjà, il faut que tu saches si tu parles du liseron des haies ou du liseron des champs, Convolvulus arvins ou Convolvulus pratins. Parce que le liseron des haies, c'est pas du tout pareil. En fait, lui, c'est une plante de lisière de forêt, en fait, qui se tolère très bien les sols bien aérés. Et de ce qu'il disait dans son livre, il disait que c'était une plante qui était bio-indicatrice de. Qui était nitritophile et donc qui aimait bien les sols très très riches. Alors je me souviens de Benjamin Broustet qui conseillait dans une de ses vidéos de mettre du broyat pour le faire disparaître. Ça marchera jamais, hein, je préfère vous prévenir. Tu vas faire que lui donner encore plus de bouffe. Et la seule chose qui sortira de ton broyat, ce sera justement le liseron. La seule manière dont j'ai réussi à l'éradiquer, c'est de mettre des bâches occultantes pendant au moins 3-4 ans. Voilà, mais sinon t'es vraiment pas sorti de l'auberge. Moi, je sais que j'en ai un petit peu dans le jardin forêt là. Ça fait que depuis que je suis là, ça fait 4 ans que je me bats et puis que j'y vais vraiment avec un louchet. Donc c'est une pelle d'arboriculteur qui va jusqu'à au moins 40-50 cm. Où à chaque fois, chaque année, on retire toutes les racines et presque on est reparti tous les ans. Donc ah le liseron, c'est un petit peu comme les hauts fonctionnaires. C'est vraiment des parasites, faut pas les laisser s'installer. Et une fois qu'ils se sont installés, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, tu t'en débarrasses difficilement, quoi. Ok. Est-ce que tu as un cultivar préféré de concombre? Non, j'aime pas le concombre, je le digère très mal. Ça, c'est fait. Sur le poulailler, nécessite de le mettre sous ombrage. Alors, si les poules défoncent les arbres, quelle est la solution? Sur le poulailler nécessite. Alors attends, ça commence par trois points d'interrogation. Ensuite, sur le poulailler nécessite de mettre sous ombrage. Je comprends pas ta question, Samuel. Vraiment, je suis désolé, mais là, Alors, si les poules défoncent, ça doit être défoncent les arbres, quelle est la solution? Un parcours à poules, une ouverture sur un champ pour étendre leur espace. Oui, c'est ça, ouais. Enfin, en sorte que. Après, vraiment, précise ta question, parce que combien tu as de poules? Si tu as trois poules, tu peux les envoyer dans le verger, elles vont pas casser grand-chose, quoi. Ça dépend de la quantité de poules. Salut, est-ce qu'il y a des arbres originaux dans les bouquins de perma que tu ne conseilles pas niveau gustatif? Arbousier, arbre faisant et trucs du genre. Je ne sais pas si tu en parles dans le dernier livre, Créer un jardin forêt comestible. Ouais.
Donc, il y a le livre. Et là, tu trouveras plein d'infos là-dedans. Mais surtout dans la vidéo, je vais la il y a mettre. tout dans mon bouquin Permaculture en climat tempéré où je commente tous les arbres, tous les trucs que je les cite en disant si de mon point de vue ça a un intérêt ou pas pour les poules ou pour nous. Mais oui, enfin, va voir la vidéo Les trois erreurs à pas faire. Bonjour à tous, Erreurs, dans il y a cette tous les vidéo. exercices. Pardon. Qu'est-ce que tu dis? Non, non, c'est juste, j'ai lancé la vidéo pour copier le lien. D'accord. Oui. Ouais, du coup, va voir la vidéo que j'ai fait là sur les trois conneries à pas faire et qu'on conseille quasiment dans tous les bouquins sur permaculture et sur le jardin forêt. Donc ouais, il y a plein de fausses trucs qui ont l'air génial et qui, bah, comme là tu l'as cité, l'arbre faisant, tes petites baies au goût de caramel. Bon, quand t'en manges une ou deux comme ça, c'est pas dégueulasse, mais c'est impossible à récolter. Tu sais, c'est pas comme les groseilles où tu les récoltes toutes, tu peux faire des confitures. Donc déjà, c'est une plante qui a une toxicité qui est mauvaise pour le foie. Il y a des alcaloïdes qui sont toxiques dedans. En plus, c'est impossible à récolter. Quand tu le récoltes, tu t'en fous plein les doigts. C'est une plante presque invasive dans le sens où elle a tendance à se répandre, elle drageonne comme les topinambours. Et puis les oiseaux vont venir les bouffer et vont t'en ressemer partout. Donc ouais, ça c'est un exemple d'une plante qui est vraiment pas super intéressante, mais des cassis, des fraises, des framboises, des trucs que tu préfères. Et collectionne pas forcément ce genre de trucs-là. Ou alors il y a un autre truc qu'on cite un peu partout comme une panacée. Moi je me souviens, j'en discutais avec Nicolas Pézril en 2005-2006, où il me disait, ouais, je jette mon dévolu sur le faux pistachier, c'est Staphylia pinnata. Et moi je me souviens parce que je l'avais découvert dans les parcs botaniques, cette plante, parce que je faisais des boucles d'oreilles, je faisais des bijoux à l'époque avec les graines. Et donc, du coup, ça fait des plantes qui font ça fait des petites vessies comme le bagnaudier. Et puis, dedans, tu vas avoir une ou deux, enfin, ou trois graines qui vont à la taille d'un grain de maïs et qui sont dures comme du carrelage, en fait. Hein, tu les fais tomber, quand ça tombe par terre, quand tu l'entends rebondir, tu entends, tu as l'impression que c'est une perle en verre qui est tombée, quoi. Donc, c'est incassable. Et tu seras obligé de les casser avec un étau parce que si tu fais ça avec une pince, tu vas les écrabouiller. Et pour te retrouver avec une petite merde qui fait la taille de deux grains de riz. Donc, ok, c'est vert. Ok, ça a un petit goût plus ou moins sucré et un parfum qui pourrait en rappeler la pistache. Mais avant d'avoir fait un bol de pistache, tu vas y passer toute ta soirée à casser tes trucs. Voilà. À part en temps de guerre, ça. Mais sinon, va voir dans mon bouquin, Permaculture en climat tempéré. J'en cite, je sais plus de 900 des plantes. Et je vais dire, bah, celles qui, à mes yeux, ont vraiment un intérêt de celles qui n'en ont pas. J'ai vu que tu faisais du miel. As-tu des frelons asiatiques qui attaquent tes ruches? Oui, par milliers. Et donc, j'ai aussi des mésanges qui mangent mes abeilles au printemps avant le frelon. Et pourtant, je n'essaye pas d'exterminer les mésanges. Je suis moins copain avec le frelon asiatique parce que je pense qu'ils font de plus gros carnage que les mésanges. Oui, ils mangent beaucoup d'abeilles, mais je fais en sorte que mes abeilles s'y habituent et je fais en sorte que les reines pondent plus. Enfin, c'est pas je fais en sorte, hein, je vais pas leur dire bon, la reine tu pondes plus. C'est par sélection naturelle en fait. Intéresse-toi au livre de Thomas Sillet. C'est Sillet. Lely. Ouais, je crois que c'est ça, ou c'est un I en premier. Thomas Sillet, c'est l'abeille, je sais plus, l'abeille sauvage. Moi, c'est un bouquin blanc, et donc c'est un bouquin sur les abeilles mellifères qui sont devenues sauvages. Il a démontré qu'en fait, les abeilles sauvages mellifères, il a prouvé scientifiquement que ce n'était pas des essaimages d'abeilles industrielles, hein, que c'était vraiment des abeilles qui se reproduisent de manière sauvage. Depuis les années 90, en fait, toutes les populations d'abeilles sauvages sont stables. Il y a à peu près la même population que dans les années 70. Et il a démontré scientifiquement qu'elles étaient résistantes aux varroa destructor, à la loque américaine, aux frelons asiatiques, et qu'il n'y a pas de souci en fait pour les abeilles sauvages, il y a juste des soucis pour les apiculteurs. Parce que les apiculteurs, vu qu'ils. En fait, le plus gros des parasites de l'abeille, c'est l'apiculteur. C'est lui qui a déjà importé la loque américaine, importé le varroa,
qui importe des reines qui viennent de partout dans d'Europe, et surtout l'abeille jaune et les abeilles du pourtour méditerranéen, qui sont plus productives en miel. Donc vu que ce qu'ils essayent, comme pour les agriculteurs qui font des vaches, ils essayent de trouver la Primolstein, donc l'abeille qui va pisser le plus de miel au mètre carré, ils ont tendance à répandre la génétique de ces abeilles un peu partout en Europe, et en faisant leur transhumance à chaque fois qu'ils bougent leur ruche d'un département à l'autre, ils vont aller répandre la génétique de leurs abeilles, je vais pas dire de leurs abeilles de merde, parce que à la base c'est pas des abeilles de merde, sur le pourtour méditerranéen elles sont très bien. Mais le problème c'est que vu qu'elles viennent du pourtour méditerranéen, elles se réveillent beaucoup plus tôt, elles se réveillent au mois de février alors qu'il n'y a pas une fleur à butiner chez nous, alors que chez elles il y a déjà tout qui est en fleur, il y a les amandiers qui sont en fleur, nous chez nous il n'y a rien. Et le pire, c'est qu'elles continuent de pondre en hiver. Donc à l'heure actuelle, les apiculteurs, si tu les écoutes, ils te disent « Ah bah sans nous, les abeilles, elles survivraient pas, c'est nous les sauveurs, quoi. » Et s'il y a des abeilles sauvages, c'est juste des essaimages de nos ruches, mais elles crèvent. Ce qui est complètement faux, ils mentent comme des arracheurs de dents. Les abeilles sauvages, au contraire, se portent très bien. Et si elles se portent mal, c'est justement à cause d'eux et à cause de leurs abeilles industrielles. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que je travaille avec de l'abeille noire et puis de la bâtarde. Et je fais en sorte de laisser les abeilles essaimer, je récupère les essaims et je fais en sorte d'espacer bien mes ruches, de leur donner beaucoup à manger, enfin de faire en sorte d'augmenter le potentiel en hectares du biotope, et ensuite de les laisser se démerder en fait. C'est à elles de se démerder comme des abeilles sauvages, il ne faut surtout pas les traiter. Et donc moi quand je les traite, en gros vu que je n'enfume pas mes abeilles, je les emmiel. Quand j'ouvre les ruches pour venir voir si je peux récolter du miel, au lieu de les intoxiquer avec de la fumée, je leur rends leur miel dilué et dans lequel je mets des extraits de champignons. Donc ça, tu peux t'informer sur le groupe Mycobiz si tu veux venir participer aux recherches avec Mycobiz. Donc on est plusieurs dans toute l'Europe à faire des expérimentations sur les champignons, la résistance des abeilles grâce aux extraits de champignons. Donc c'est la seule chose que je fais en fait comme traitement, c'est essayer de remonter leur défense immunitaire pour qu'elles soient un petit peu plus résistantes au virus, sachant que le varroa destructor, c'est un truc, si on te met à l'échelle de l'abeille, c'est comme si toi, tu avais des crabes, tu vois, des tourteaux là, qui te grimpent dessus pour te bouffer, et donc qui leur font des grosses plaies, et c'est de ces plaies, en fait, qui vont attraper tout un tas de virus, tout un tas de mycoses, tout un tas de maladies, de bactéries. Et donc, plus on va remonter leur défense immunitaire, plus elles vont avoir tendance à résister à ces maladies. Et donc, c'est la seule chose que je fais. Dans l'idéal, ce serait même, enfin, si je m'écoutais, je ne ferais rien du tout. Mais là, comme ça, du coup, ça me permet de pouvoir démontrer que je traite mes abeilles, même si je ne mets pas d'apivar ou de traitement. Parce que c'est assez catastrophique, ça, pour en parler, j'aime bien. C'est une véritable pathologie mentale, en fait, hein, quand on y réfléchit. La majorité des apiculteurs peuvent être considérés comme des psychopathes. C'est que d'un côté, ils sont contre les néonicotinoïdes qui tuent les abeilles. Donc, ils vont dire non aux néonicotinoïdes, non, sauvons les abeilles. En même temps, c'est les premiers à t'obliger à traiter tes abeilles avec des insecticides. Parce que le varroa, c'est un acarien. Et on traite avec des anti-acariens. Donc en fait, ils donnent des insecticides à leurs abeilles et ils interdisent aux agriculteurs d'épandre des insecticides. Enfin, c'est pas qu'ils interdisent, mais qu'ils aimeraient bien qu'on interdise les néonicotinoïdes. Sachant que les néonicotinoïdes, on s'en sert pour produire la betterave. Et la betterave, on s'en sert pour faire du sucre. Le sucre qu'ils vont donner à leur saloperie d'abeilles tout l'hiver. Et en te disant que s'ils les nourrissent pas, elles meurent. Et qu'on est obligé de les nourrir. Et que si tu les nourris pas d'ailleurs, c'est que tu t'en occupes pas bien de tes abeilles. Ils croient que les abeilles, c'est un petit chien attaché à un piquet qui, si tu lui donnes pas de croquettes, il va mourir de faim. Alors qu'en fait, les abeilles, c'est des animaux sauvages qui n'ont jamais eu besoin de l'homme pour survivre, pour bouffer et pour se démerder. C'est nous qui avons besoin d'elles, pas l'inverse, quoi. Et donc, lis le bouquin de Thomas Sillet. Enfin, lisez ce bouquin, vous allez voir, ça va radicalement vous changer votre point de vue sur les abeilles. Elles sont pas en voie de disparition. Enfin, elles ne sont pas plus en voie de disparition que les autres insectes. Il y a des réels soucis à se faire pour tous les insectes. Hein. Même les diptères sont en train de disparaître. Hein. Même les mouches sont en train de disparaître. Il y a plein d'espèces de mouches qui ont disparu.
Mais les abeilles, elles sont pas plus en danger que tout le reste, et toutes les abeilles sauvages se portent très bien, et moi, mes abeilles dans mes ruches se portent très bien. Et là, j'ai récolté à peu près 70 kilos de miel sur la deuxième récolte, et j'avais fait à peu près 25-30 kilos sur la première et sur 5 ruches. Ok, juste quand tu mets tous les apiculteurs dans le même bateau, juste pour préciser, enfin, précise ta pensée, mais je pense que tu parles des apiculteurs plutôt industriels et plutôt ceux qui ne s'intéressent pas trop à la génétique des abeilles et qui ne s'intéressent pas trop à la préservation. Non, je ne vais pas mettre tous les apiculteurs, je vais mettre de côté tous les apiculteurs écologues qui connaissent les abeilles et qui comprennent les abeilles. Après, il y a des amateurs qui sont plus pathologiques que les autres, qui foutent les abeilles dans des ruches en plastique, qui achètent des rennes tous les ans, qui multiplient les rennes. Là, ils le font de plus en plus, hein, qui font eux-mêmes la multiplication des rennes. Et des amateurs, hein, des amateurs qui ont des petits ruchers avec 10-15 ruches, ils produisent eux-mêmes leurs rennes. Ou alors, ils achètent des rennes sur Internet, ce qui est catastrophique, en fait. Là, c'est vraiment... Si ce qu'on veut faire, c'est crever les abeilles, c'est... acheter l'abeille magazine et suivez tous leurs conseils, vous ferez partie des parasites des abeilles, quoi. Ah, je suis brutal avec eux parce que vraiment, ils sont brutals avec les abeilles et surtout, ils sont persuadés de leurs conneries. Ils se gargarisent, ça fait à peu près 20 ans que j'entends les mêmes conneries dans tous les ruchers écoles, c'est que les abeilles, elles peuvent pas survivre sans les apiculteurs et que heureusement qu'ils sont là pour sauver les abeilles et ils sont même capables de te faire des articles que parce qu'ils arrivent à multiplier les rennes, c'est eux qui vont sauver les abeilles. Alors que pour moi, c'est vraiment eux qui les font dégénérer et qui leur nuisent, en fait. Les abeilles noires, partout où il y a moins d'apiculteurs, les abeilles noires recolonisent les biotopes et on voit de plus en plus d'abeilles noires. Donc vraiment, s'il y a quelque chose qu'il faudrait qu'ils disparaissent, c'est les apiculteurs qui essayent de faire du fric ou même simplement qui essayent de produire beaucoup de miel et qui n'essayent pas de comprendre les abeilles. Ok. Je vous conseille un magazine, c'est Abeilles en liberté. Où vous pourrez retrouver mon point de vue qui est partagé par beaucoup, beaucoup d'apiculteurs écologues et où vous verrez que, en fait, on peut très bien produire du miel, nourrir sa famille, non pas avec du pognon, mais avec du miel, hein, tout en respectant les abeilles et en sauvegardant la biodiversité. Donc, je mets le lien sur le magazine Abeilles en liberté. Ça va être la dernière question, on répondra aux autres questions. Au prochain live, moi je voulais faire un petit focus sur l'actualité de la forêt nourricière, sur le fait qu'on a sorti cet article sur la synergie végétale. Enfin, qu'est-ce que la synergie végétale? On a aussi sorti un article sur qu'est-ce que la synergie humaine pour ceux que ça intéresse. Et ce qui est bien de lire les deux articles, c'est qu'on peut faire des parallèles entre la synergie végétale et la synergie humaine. Donc je vous invite vraiment à les lire. Et voilà, là je vous invite aussi à partager cette vidéo qui va sortir, nous soutenir un peu sur les réseaux sociaux, on ne le demande pas souvent, mais voilà, d'un peu diffuser l'info parce qu'on a un peu besoin de vous, et donc ça nous fait connaître et ça nous fait plaisir. Voilà, je ne sais pas si tu as un mot à ajouter, Franck. Prenez soin de vous et puis prenez soin de la biodiversité. Et encore merci à la trentaine de personnes qui nous suivent encore au bout d'une heure. Et on ne va pas aller plus loin parce qu'une heure, c'est déjà beaucoup, même pour nous. Et donc, rendez-vous le mois prochain et le prochain live sera le 4 octobre, si tout va bien. Et donc, bonne soirée et la vie est belle. Et comme mot de la fin, là, vu que tu parlais de synergie humaine, je vais reprendre la phrase de Thomas d'Anzembourg. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ok. Et donc, merci à vous tous et bonne soirée.